bien douloureux. Sonnera, elle sonnera pour moi. Seigneur notre Père, nous fois encore, comme les frères ont déjà demandé, nous te recommandons notre rencontre, non pas autour d'un homme, ni un problème de famille ou d'amitié, mais tu as dit si deux ou trois s'accordent pour être ensemble, Seigneur, en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Ce matin, où est chacun de nous? Où est-nous vraiment? Ouvre notre entendement. Que ta parole ne soit pas pressée sur ce précepte. Non seulement cela, mais qu'elle soit de la nourriture préparée depuis le ciel pour chacun de nous, afin qu'elle produise en nous ta vie. Non pas la vie de la religion, ni d'un groupe, mais la vie de Jésus-Christ. Parce que c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Les églises sont malades. Le monde est malade. Les peuples sont malades. Tous, on les regarde tourner vers toi. Même la nature est malade. Seigneur, viens et sauve chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Je crois que la semaine a été assez courte pour chacun de nous, certainement, ou long pour certains. Mais hier, nous, on a été avec Achille pour acheter quelques livres à. On a fouillé dans toutes les librairies religieuses là. On a fini par atterrir à la croisade des livres chrétiens. Et là, on a vu des livres de. J'allais rire un peu. De développement personnel. Les livres purement de la psychologie. Il y a l'un des premiers qui avait écrit aujourd'hui, on a transformé ça en disant le pouvoir. La puissance de, je ne sais plus comment on appelle ça, la puissance de la pensée positive. Alors qu'au tout début, c'était la puissance de la prière. Et comme on sait que si on lit la puissance de la prière, c'est seulement les chrétiens qui vont lire, on a transformé ça en puissance de la pensée positive pour amener tous les hommes à croire. On a même trouvé un livre d'un démon, d'un démoniaque, là, dans cette librairie-là. On a dû parler un peu avec la vendeuse et le vendeur pour leur dire, vous ne pouvez pas vendre ces livres-là dans un lieu où vous dites vendre les livres chrétiens. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vendre les livres qui apprennent aux gens à être des éloquents pour traiter, pour travailler le subconscient des gens, pour les amener à poser des actes qui ne poseraient jamais
si on n'utilise pas la psychologie contre eux. Et au moment où on finissait, j'ai dit à la dame, maintenant c'est à toi que je vais m'attaquer. J'ai vu bien qu'elle était très bien fardée, très fardée, avec des, comment vous appelez ça, les coulants, vraiment un vrai coulant, et tout, avec comme une peau de chagrin. Et je lui ai dit, maintenant, c'est à toi que je vais m'attaquer. Et puis elle dit, bon, on va lui dire, mais dis-moi, quand je regarde ton visage là, quelle est la première femme dans la Bible qui a eu ce modèle de visage? Elle n'était pas capable de trouver le nom de la personne. J'ai dit, c'est Jézabel. Elle dit, oui, mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? C'est les chiens qui l'ont mangé. Donc, si tu te mets dans la même position qu'elle, tu ne peux pas hériter la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Et puis de deux, quand tu te regardes là avec les musulmans qui ne sont pas des chrétiens, est-ce que tu es différente? J'ai déjà posé la question, moi, dans mon service avant, on m'a répondu non. Qu'ils ne sont pas différents. Mais si vous n'êtes pas différent, vous ne pouvez pas le ciel non plus. Et puis, il faut aller dire dans Deutéronome 22, 5, tu vas voir que ton habillement n'est pas correct. Vous êtes là, vous faites les... Je dis, et puis je lui ai dit, quand vous posez une question, es-tu chrétien? Je suis athée. Je suis catholique. Je suis baptiste. Je lui ai dit, vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes seulement des amis de Dieu, des catholiques. Et je lui ai dit, vous voyez toutes les églises que vous voyez aujourd'hui là, sont nombreuses là. Quand nous, on avait commencé à servir Dieu, ces églises n'existaient pas. Aujourd'hui, et le jeune homme va reconnaître, aujourd'hui, tous ces gens là, c'est des gens qui sont dessus, parce qu'ils étaient des associés ou bien des pasteurs comme en stage avec les vrais pasteurs. Mais comme en matière d'argent, eux, on ne leur donnait rien. Quand ils ont fini leur formation, ils ont dit, mais pourquoi ils ne montraient pas leur église pour pouvoir bénéficier également de l'argent? Voilà pourquoi il y a plein d'églises. Le jeune m'a dit, oui, il dit, mais vous connaissez Dion? Dion, il appartenait à l'église appelée USO, Sud-Ouest. Il ne supportait pas le fait d'avoir un pasteur central. C'est pour ça qu'il est sorti. Mais aujourd'hui, il est devenu un pasteur central. Avec plusieurs pasteurs sous sa responsabilité. Je dis tout ça, c'est des problèmes d'argent. Et les gens cherchent de l'argent. Et comme ils cherchent de l'argent, vous les aidez à chercher beaucoup d'argent, à prêcher l'évangile social. En leur donnant tous ces livres-là qu'ils viennent d'acheter pour lire et aller travailler le subconscient des personnes qui veulent aller au ciel, vous les gardez en prison. Bon. Et j'étais... Alors, en sortant, je lui ai posé la question. Depuis que vous êtes ici, vous vendez là, il y a combien de personnes qui ont passé, vous ont parlé de cette façon-là? Il faut me compter ça sur tes doigts. Elle a réfléchi, elle dit, vous êtes la deuxième personne qui me parle comme ça. Je dis, mais ça peut vous suffire de pouvoir changer, parce que si vous continuez comme ça, c'est que vous ne comprenez rien de la Bible. Et puis là, on est sorti et on est revenu. Et là, on me disait que le frère Isaïe a parlé et ça fait beaucoup de remous sur les toiles, sur YouTube, sur Facebook et tout. Ce que je vais vous demander, j'en ai parlé avec le frère Blue Clément hier, moi-même, parce que celui aussi m'a appelé pour me demander, mais est-ce que j'ai appris ce que Isaïe a prêché, qui est pour lequel les gens l'insultent aujourd'hui sur Internet, on le qualifie de tout. Je dis, je ne l'ai pas écouté. On m'en a parlé, mais je n'ai pas écouté, je ne peux rien dire. Si tu veux, il faut écouter toi-même. Bon, pour finir, l'après-midi, j'ai écouté. Et il m'a appelé le soir, je l'ai appelé. J'ai dit, frère Clément, l'heure n'est pas au grand discours. L'heure est à savoir, est-ce que moi-même là, je suis prêt pour le ciel? C'est de ça qu'il est question. Ce que quelqu'un peut dire, peut faire, ne changera rien à ta condition. Il a dit ce qu'il croit. Il a dit ce qu'il pense. Il a dit ce qu'il a dit. Je peux être d'accord avec. Quoi, je peux ne pas être d'accord avec? Mais ça ne changera rien. Si Dieu ne vient pas pour nous aider, nous tous, nous serons divisés jusqu'à l'enlèvement. Et puis à l'enlèvement, nous resterons là à discuter simplement, uniquement des choses qui ne nous feront pas de bien.
Alors, tu vas écouter, mais le conseil peut te donner, ferme ta bouche. Amen. Et prie. Garde le silence. Bien-aimé, en étant trouble, le sage se tait. Amen. Il y a un jeune homme qui m'a aussi envoyé un SMS hier matin. À la fin, il m'a bien insulté d'abord. Et puis, je lui ai dit, mais qui es-tu? Il m'a envoyé son nom, son prénom. J'ai dit, ton prénom ne me dit rien. Je l'ai appelé. J'ai dit, ton prénom ne me dit rien. Dis-moi ton nom. Il m'a dit son nom. Et puis, il m'appelle Pépé. J'ai dit, m'appelle Pépé. Mais, alors je t'écoute. Ce que tu écris, je ne comprends pas. Il dit, mais oui, l'année dernière, tu as lancé un défi à l'église en parlant des élections américaines. Il dit, oui, je suis un homme. Je peux me tromper. Par rapport à ce que Donald Trump a fait pour Jérusalem, je pensais que Dieu pouvait. Mais je n'ai pas dit que je prophétise. C'est ça. Je n'ai jamais dit que je prophétise. Sur ce qu'il a fait, j'ai dit. Maintenant, ce n'est pas accompli. Bah, ce n'est pas accompli, ce n'est pas accompli. Et d'abord, je ne suis même pas d'accord avec sa manière. Lui, Donald Trump, s'est comporté après qu'il soit battu et qu'il s'est maintenu au pouvoir jusqu'à ce que les gens viennent casser, rentrer dans la Maison Blanche pour faire ce qu'il a fait. J'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit, il pensait que j'allais trouver des arguments disant que c'est parce que les gens ont triché son vote qu'il n'a pas réussi. Il avait sa bouche, il a dit lui-même. Il dit, comme tu l'as dit toi-même, moi, je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé à ça. Le vote, c'est un vote. Que les gens aient triché, les gens n'ont pas triché. Celui qui est passé, il est passé. Et puis de deux, dans le monde là, quels sont ceux qui acceptent facilement leur échec? La politique est un mensonge. Donc moi, je n'ai rien à faire avec ça. Après, il m'a dit, bon, est-ce que je peux autoriser qu'ils viennent me voir? Je lui ai dit, je suis toujours ouvert. Je suis ouvert, tu peux venir me voir. Avant lui, il y a un autre frère qui est venu, qui habite à Williamsville. Qui est venu, on a passé, je crois, au maximum 10-15 minutes. Et il m'a dit, mes frères, tu as laissé les brebis dans l'église comme ça, tu es parti, tu as abandonné les églises, tu as abandonné les brebis. Je n'ai pas abandonné les brebis. Et le jeune homme d'abord dit, mais tu as dit que l'église, cette église est une partie de l'époux de Christ, et tu n'es pas dans l'église. Et le jour, tu parlais, tu as pointé ton doigt comme ça, j'ai dit oui, j'ai pointé mon doigt. Mais je ne pense pas que l'église soit les quatre murs. Hein. Si demain, vous changez, on change de lieu de culte, en enlevant, on ne va plus à Couette, on va ailleurs. Comment vous allez dire ça? Donc moi, je suis en plein dans l'église. Peut-être vous ne savez pas, moi, je suis en plein dans l'église. L'église, comme tu as dit que ce n'est pas les quatre murs, donc sache que ce n'est pas le fait de ne pas aller au Couette que j'ai quitté l'église. Je n'ai pas quitté l'église, je suis en plein dans l'église. Maintenant, celui qui se sent dans l'église, il reste tranquille. Amen. C'est celui qui se sent dans l'église qui va se plaindre, qui va chercher à se justifier. Moi, je me plains pas. Est-ce que tu m'entends parler? Bref, c'est pour dire qu'on arrive à un stade où nous devons rester seulement tranquille. Vraiment tranquille. Ce qui doit importer chacun de nous, hein, ça je le dis, est-ce que je suis prêt? Parce que beaucoup attendent l'enlèvement. Comme ça. Oui, si tu n'es pas prêt, l'allemand va passer ton nez. Mais les gens savent que tu sois prêt aujourd'hui. Dès aujourd'hui, il faut que tu sois prêt. De sorte que tu puisses dire que je vive ou que je meurs, j'appartiens à Christ. Amen. Que je vive, que je meurs là, moi, j'appartiens à Christ. Donc ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à un seul qui est mort pour moi à Golgotha, qui a donné sa vie pour moi à Golgotha. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter des cantiques que j'ai commencé à télécharger. Peut-être après, je verrai avec Thierry. Il y a de très beaux cantiques, des vieux cantiques que je connaissais. Je n'avais plus les paroles. Et j'ai commencé par les revoir venir. J'ai dit, bon, je suis allé sur le YouTube là, pour chercher un cantique. Et j'ai le cantique que j'ai chanté, là, dont j'ai parlé la semaine dernière. Là. Et puis, du coup, tout a changé. Il jouait, puis ça a changé. Et puis, on a commencé par amener tous les vieux cantiques d'autrefois que je connaissais. J'ai dit, mais Seigneur, mais je vais les télécharger tranquillement. Je les enregistrer pour les garder, pour les réécouter. Parce que ces cantiques-là, si je dis aux gens que c'est moi qui l'ai appris, qui a appris ça à l'église, il y en a qui vont beaucoup discuter. Bon, bref, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'on recherche ces cantiques qui ont été inspirés autrefois par des hommes qui ont fait des expériences réelles avec le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux simplement
de le faire, de croire et de marcher avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons poursuivre et terminer notre étude sur la vertu aujourd'hui. On fera tout ce qu'il faut pour terminer aujourd'hui. Quel que soit le temps, il y a beaucoup de choses à dire dedans. Vous savez, chaque fois que tu reviens à regarder, tu te demandes, est-ce que tu as dit quelque chose même? C'est comme si tu n'as jamais rien dit. Et je parlais avec le frère Achille hier. Hier matin, j'ai été en train de relire les âmes qui sont en prison maintenant. Et là, Frère Branham a cité ce passage de Jean 4 concernant ceux qui adorent le Seigneur, les adorateurs dont le Seigneur avait besoin. Et j'ai ouvert ma Bible pour le relire, mais c'est devenu tout nouveau pour moi. Et j'ai pris des versets bibliques, j'ai dit, si Dieu conduit un jour, on pourra en parler. Parce qu'effectivement, et puis hier quand j'écoutais Isaïe, il en parlait également, disant que aujourd'hui, les gens pensent que c'est à Jeffersonville qu'il fallait adorer. Il y en a qui pensent qu'il fallait à Créfé-Palais adorer. Il y en a qui pensent qu'il fallait adorer ici. Non, les vrais adorateurs là sont ceux qui adorent en esprit en vérité. Il n'a pas développé outre mesure, il est passé. Moi, ce que j'ai compris là m'a donné de comprendre ça plus profondément. Pour qu'on puisse, si Dieu le permet, si c'est lui qui le veut, on partagera ça ensemble. Pour qu'on sache qu'est-ce qu'on entend par adorer Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'on entend par adorer? Et vous savez, vous avez surpris. Hein? Moi, j'ai été chercher même le mot adorer. Qu'est-ce que ça signifie? Adorer signifie quoi? Parce qu'il y a des mots souvent, on est tellement français, on est tellement à l'école, on a toujours prononcé ces mots-là qu'on pense connaître vraiment les mots. Mais quand tu vas chercher vraiment le sens, tu te dis, mais attends, je crois le connaître alors que je ne le connaissais même pas. Oui, souvent, on peut dire certaines choses. On va dire, voilà, ceux-là, ils aiment, ils adorent, c'est les adorateurs de football. Oui, soit adorateurs du football, de la boxe. Le football, il aimait bien la boxe. Quand ça arrivait, il faisait voir ça par tous les Ivoiriens. Quand il y a des gros problèmes, il trouve un moyen pour faire venir la boxe pour que les gens soient occupés à regarder la boxe et puis lui règle ses problèmes. Pour distraire un peu. Mais que Dieu soutienne chacun de nous. Le matin, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont été empêchées ou bien vont venir en retard. Sœur Irène, on te salue. Vous savez, la sœur Irène n'a pas voulu manquer à la réunion du matin et du soir. Elle est rentrée au Burkina. Donc c'est pour elle qu'on est en train de bavarder là pour voir si on peut l'amener à être connectée. Là, elle a dit tout à l'heure que tout va bien. Elle est connectée, elle suit. Les autres, c'est un peu trop tôt pour eux. On ne va pas les mettre dedans. Ils vont se contenter de nos réunions de l'après-midi. Parce que ceux qui sont aux États-Unis, si tu devais les réveiller actuellement là, quand j'irai à ma montre, en arrière, ils sont autour de 4 h du matin. Tu ne vas pas aller regarder, réveiller quelqu'un pour 4 h du matin. Et puis après, il ne va pas dormir le soir, il va se retrouver encore à suivre la réunion du matin. Ils ont le temps de reprendre et d'écouter en différé après sur la plateforme. Donc, on va reprendre simplement ce qu'on a commencé. Ça, c'est un autre sujet que j'ai noté. J'en note tous les jours sans savoir. Je suis là et puis bon, ben, quand je lis, quand je parle avec des gens, et ce qui me vient, quand je trouve quelque chose dedans, je le note. Vous savez que nous sommes en train d'étudier la vertu. Et le passage initial, c'est toujours 2 Pierre chapitre 1. Ce matin, on ne va pas se fatiguer pour aller encore dans 2 Pierre chapitre 1. On va poursuivre simplement en posant la question et puis en lisant les versets bibliques qui ont trait à ça. La fois, dimanche passé, nous avons parlé de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, comment est-ce que des mouchoirs ou des tissus posés sur le corps de l'apôtre Paul pouvaient aller guérir des malades et des gens qui sont possédés de mauvais esprits. Et l'apôtre Pierre lui-même
des gens ayant tellement foi que Dieu est avec eux, qu'on peut mettre les malades en bordure de route, espérant que son ombre simplement passerait sur ces hommes et que ces personnes reçoivent la guérison. Quel que soit le type de maladie qu'ils ont, quel que soit le type de démon qu'ils ont, Dieu permettait que ces personnes retrouvent une entière guérison. Ce qui veut dire, c'est des personnes qui ont vraiment reçu de Dieu la puissance, la force, et elle habite en eux. Et aujourd'hui, la première question que nous allons nous poser nous-mêmes, comme l'avons dit la fois dernière, nous sommes en train de construire un édifice en ayant pour la base, en ayant pour base, en ayant pour fondement la foi. Il ne va ajouter à la foi si nous la possédons. D'abord, il y a une question de posséder la foi. Parce que ce que tu n'as pas, tu ne peux rien ajouter là-dessus. Hein. C'est quand tu as quelque chose que tu peux ajouter quelque chose là-dessus. Et aujourd'hui, il est question de savoir, est-ce que moi-même j'ai de la foi? Si on n'a pas la foi, on ne pourra pas progresser. Ce n'est pas possible, frère. Et puis la foi, ce n'est pas de l'imagination. J'ai expliqué à une dame ou à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, Dieu nous a donné 5 sens pour être en contact avec notre monde extérieur. Et chaque sens est une porte d'entrée pour nous amener soit à marcher avec Dieu, soit à nous laisser dominer par le monde. Parce que nous voyons, parce que nous touchons, parce que nous sentons, parce que nous écoutons, parce que nous goûtons. Et le temps est venu où toutes ces choses-là, c'est bien, mais nous devons laisser tout être dominé par la foi. Parce que la foi ne regarde pas à ce qui est physique, à ce qu'on voit. La foi regarde à ce qu'on ne voit pas, que l'œil humain ne voit pas. Que l'homme, avec ses bras, ne peut pas toucher. Avec ses oreilles, ne peut pas entendre. C'est ça la foi. Et la foi, quand tu l'as, tu es certain de ce qui doit arriver. Tu es certain. Je ne sais pas avec qui, où on parlait de l'intuition. C'était avec Thierry, certainement, et toi aussi, et l'intuition. L'intuition est un élément assez très fort. Moi, quand je suis avec toi, par exemple, que je sens que telle chose arrive, si je te le dis, sois sûr que ça va arriver. Vous savez, je vais dire à ma soeur, Thérèse, vous savez, dimanche passé, quand j'ai dit que j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui a émis une pensée, elle a émis une pensée. Mais c'est vrai? Pourquoi j'ai posé la question à Véronique? Je vais vous l'expliquer maintenant. Quand elle a dit, c'est pas elle, j'étais tellement embrouillé. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce ton esprit ou quelque chose d'autre qui est venu sur moi? Et puis le soir, quand on a fini le culte, tu en as parlé ici. Mais je t'ai dit, mon cœur n'était pas en paix. Parce que où je suis, c'est venu comme ça, tout droit. Je me suis dit, mais attends, ça peut pas venir tout droit et puis contourner comme ça pour venir. C'est venu tellement droit que je dois chercher de qui il est question. Et le lundi matin, la personne s'est présentée elle-même. Elle dit, c'est de moi qu'il est question. J'ai dit, ah. Parce que la personne est assise exactement au fond là-bas. Et c'est venu tout droit comme ça sur moi. Et l'après-midi, je vous dis pour que vous sachiez, l'après-midi, la même personne a fait la même chose. C'est à ce moment qu'elle s'est levée pour dire, ma voix a été restaurée. Vous savez qui c'est? C'était la femme de Vincent. C'est elle. Quand elle est venue lundi, qu'elle a dit ça, elle dit, ah Seigneur, ça c'est vrai. Parce que dans la direction où c'est venu là, ça ne peut pas être à gauche ni à droite. C'est vrai que la soeur est mise pour elle, mais la direction dans laquelle c'est venu tellement droit que je ne peux pas chercher. Pourquoi tu te poses la question? Parce que tu es face à moi. Pourquoi ne pas poser la question à celle-là? Tu peux poser la question à la petite. Tu peux poser la question à celle qui est derrière toi. Mais c'est tellement venu que c'est comme si c'est venu de toi. Puis je cherchais.
voyez, pour moi, cette main, ça m'a été, quand j'ai reçu, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu montres que tu es avec nous. Amen. C'est la preuve que nos pensées là ne sont pas cachées devant Dieu. Sachez-le, nos pensées, nos désirs ne sont pas cachés devant le Seigneur. Tout est nu. Il nous a montré seulement peut-être une petite chose. Comme j'ai dit, vous avez dit une fois déjà. Il nous a montré juste une petite chose pour dire nos pensées ne sont pas cachées. Donc faisons attention alors que nous sommes là. Il pourrait appeler quelqu'un pour dire toi là, voilà ce que tu dis. Tu penses. Alors prenons garde, ayons de bonnes pensées, hein, ayons des pensées pures pour que le Seigneur ne nous mette pas à nous parce qu'il est capable, il est Dieu. Rien ne lui résiste. Il peut prendre quelqu'un d'autre pour parler, pour prophétiser tout de suite sur quelqu'un ici. Et vous serez surpris que pour la première fois, depuis qu'on est là, on a prophétisé. Comment quelqu'un est arrivé, il a prophétisé une fois. Mais ça peut arriver. Amen. Et qui dit que ça ne va pas arriver. Puisque c'est dans la Bible. C'est des dons. Mais la première des choses que je demande toujours, que des personnes qui ont des dons, ils soient d'abord remplis du Saint-Esprit. Amen. Parce que les dons peuvent venir de deux façons différentes. Ça, je ne vous dis pas la Lily pour le moment. Dans les uns du temps de la fin, Frère Branham l'a expliqué. Et c'est deux mystères. Quand on prend les âmes qui sont maintenant en prison, et quand on prend les uns qui sont les uns du temps de la fin, c'est vraiment deux mystères qui sont très très forts, qui nous ont été révélés à nous aujourd'hui. Comment quelqu'un peut ne pas être sauvé, mais être utilisé pleinement et entièrement par Dieu pour mener une action sous l'autorité, sous la conduite du Saint-Esprit. Dieu le fait. Mais dès que l'onction est partie, la personne redevient comme elle est. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que l'âme qui est en eux n'a pas changé, n'a pas encore revêtu la nature de Christ. Et comme au commencement, Dieu a insufflé le souffle de vie dans Adam et Adam est devenu, est-ce que c'est un esprit vivant? Non, une âme vivante. Et Frère Branham définit l'âme comme Frère Frank, que l'âme c'est la nature de l'esprit. Si la nature de l'esprit qui a nous est de Dieu, nous vivrons comme Dieu. Mais si la nature de l'esprit qui a nous n'est pas de Dieu, nous serons influencés par le monde. C'est pour cela que dans Ézéchiel 36, vous comprenez très bien pourquoi le Seigneur dit, je vais vous donner un nouveau cœur et un nouvel esprit. Parce que l'esprit qu'il y a en nous ne peut pas rester avec les choses de Dieu. Et l'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens, il dit, c'est avec l'esprit qu'on en juge. Et qui peut juger les choses de Dieu si ce n'est l'esprit qui est de Dieu? Voilà pourquoi nous devons appartenir. Nous devons avoir l'Esprit de Christ en nous pour comprendre les choses qui sont de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la quoi? La liberté. Là où il n'y a pas de liberté, il s'agit de l'Esprit de Dieu n'est pas. Si vous allez quelque part où il y a des contraintes, il y a des lois, il y a des préceptes, il y a des choses difficiles, frère, sachez que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Là où il y a l'Esprit de Dieu, tout le monde est libre. Tout le monde est libre. On se sent tellement libre. Parce que qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous qui êtes chargés, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donne du repos. Prenez mon joug. Mon fardeau est lourd. Est lourd? Non. Il est léger. Et je suis humble et doux de cœur. Là où vous trouvez des gens qui sont humbles et doux de cœur, vous vous trouvez tranquille avec eux, paisible. Et leur approche attire. Vous voulez avoir une communion avec ces personnes-là. Vous avez toujours envie d'avoir une communion avec ces personnes. Moi, quand je suis à la chair, habituellement, quand je descends à la chair, beaucoup ont peur de moi. Mais quand ils arrivent en dehors de la chair, ils disent, mais on ne comprend pas qui tu es. J'ai dit, quand je suis là-bas, je suis ce que Dieu veut que je sois. Mais quand je descends, je dois vivre comme un croyant, comme un chrétien. Là-bas, je parle pour que ceux qui ne sont pas en ordre soient mis en ordre. Ah oui, je dis des choses
Peut-être donc je ne suis même pas maître moi-même. Alors, Thierry a mis sur la plateforme l'application de 2015. Moi-même, j'ai réécouté, j'ai ri. Je me suis mis à rire. Mais elle m'a déjà dit, écoutez, Dieu parle. J'ai dit là, écoutez bien, Dieu parle. Pourquoi je l'ai dit? Mais 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, ce qui est dit s'accomplit littéralement. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je l'ai prémédité? Non, je ne sais pas. Donc que Dieu nous aide. Donc ce matin, on va aller rapidement dans ce que nous devons avoir en seconde position après la foi pour que nous puissions commencer à bâtir doucement, doucement, doucement jusqu'à arriver à l'amour fraternel et atteindre l'amour divin. C'est important. C'est des choses qui doivent habiter à nous. Et la Bible dit bien que si ces choses habitent à nous en abondance, nous ne serons pas oisifs ni stériles. Quelque chose de stérile, c'est quelque chose qui ne produit pas de fruits. Un arbre stérile ne produit pas de fruits. C'est faux? Un homme oisif, c'est quelqu'un qui ne sait rien faire, n'a rien à faire. Or, le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas se taire. Il parlera partout, il rendra témoignage du Seigneur, partout il voudra rendre témoignage. Une sœur, on ne dit pas à une sœur de prêcher, mais elle peut rendre témoignage tout le temps de ce que Dieu a fait pour elle. Amen. Et ça amène déjà la foi. Ah oui, il y a beaucoup de sœurs. Moi, j'ai pas. Excusez-moi, je ne parle pas de la sœur Monique, mais excusez-moi. Combien de personnes dans sa famille, même son mari dit à la maison, vous êtes toujours là. Tous les gens de Momo la croient. Et vous ne croyez pas. Ça descend à ceux qui sont de son côté. Il dit, vous ne croyez pas. Tous les gens de Momo là, ils croient. Mais vous ne croyez pas. Maintenant également, de son côté, ses parents commencent à croire. De son côté, ses parents commencent à croire. Sa nièce a cru, elle a gagné. Celle qui était morte, son frère est pasteur. Et quand ça commençait, quand ça chauffait, il a sa soeur est partie. C'est elle qu'on a appelé. Quand elle a prié, elle m'a appelé. On a prié, on est arrivé à l'hôpital. Celle qui était en train de mourir. Bon, elle est revenue. Et on a prié. Bon, je crois que c'est le même soir qu'on l'a libérée. Sa tante qui est au village qui est en train de mourir, on a prié ensemble, elle est au village. Ces belles tantes qui sont là à Port-Boué, il y a une là. Maintenant, vous voyez que tous les après-midi, elle est toujours là. Même quand elle traîne, elle dit, mais est-ce que c'est peine dans le quartier? Elle a hâte de venir. Donc aujourd'hui, son mari également de son côté se rend compte que ses parents croient. Prions pour que lui-même donne aussi sa vie. Oui. Parce qu'il voit bien ce que Dieu fait. Pourquoi voudra-t-il que tous les autres se convertissent sans lui? Mais notre prière, c'est que lui aussi, il vienne à croire. Peut-être qu'il attend que sa femme accouche avant qu'il ne croie. Mais si c'est le cas, il ne mourra pas jusqu'à ce que sa femme accouche. Que Dieu nous bénisse. Donc alors, il est question d'un édifice que nous construisons. Une maison, une demeure pour le Saint-Esprit. Nous devons être une maison pour le Saint-Esprit. Alors, j'ai posé la question. Quel unique moyen qui vous a été donné? Parce que s'il y a deux moyens, il y a trois moyens, on doit le savoir. Mais il y a quel unique moyen qui vous a été donné pour que cette puissance-là soit en nous? Dans Actes chapitre 1, déjà, ça, nous le lisons, nous le relisons, nous le lisons, nous le relisons toujours. Ça doit, pour finir, ça va être un disque, mais pas un disque rayé, un vrai disque dans notre mémoire pour que nous sachions que c'est là ce qu'il nous faut. Jésus disait qu'à Jean-Baptiste, au verset 5, 1 Jean, 1 et les Actes des Apôtres, chapitre 1, il a verset 5, quand Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là, en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée,
d'abord à Jérusalem, si je ne me trompe pas, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, vous devez savoir que nous sommes ceux qui sont aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas samaritains, nous ne sommes pas de la Judée, nous ne sommes pas de Jérusalem. Nous sommes de ceux qui sont aux extrémités de la terre. Donc la promesse est aussi valable pour nous. Amen. Il est question que chacun de nous rentre en possession de cette promesse. Mais la Bible dit, le Seigneur ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Amen. Si nous n'obéissons pas à Dieu, il n'est pas possible de donner son esprit. Il faut que nous prenons l'habitude d'obéir à Dieu. Mais quand nous allons obéir à Dieu, si nous ne connaissons pas ce que Dieu veut que nous fassions. Donc il est question de connaître sa volonté. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut pour moi, pour toi? Afin que son esprit vienne habiter à nous. Et le seul moyen que nous avons fortement pour avoir cette puissance-là, c'est que son esprit habite à nous. Ça, c'est très clair. C'est pas à discuter. C'est pas comme quelqu'un, il dit à quelqu'un, il y a des postulats dans les mathématiciens, il dit ça ne se démontre pas. C'est posé, c'est ainsi, ou tu le prends, ou tu ne prends pas, mais c'est comme ça que ça se fait. Ici, le moyen. Frère, aujourd'hui, comme je disais que j'ai fait un songe. Ça, je ne vous ai pas encore raconté ça. Où on était réunis, il y avait plein de frères, tous les frères, prédicateurs de Côte d'Ivoire, ils étaient tous réunis. Et puis, il y avait... Je ne sais pas s'il faut dire le nom de la personne. Et il y a un qui est en train de parler. Puis j'ai levé ma main. Je voulais parler, mais personne ne voulait me donner la parole. C'est bien passé. Et puis bon, j'ai décidé de partir. Quand quelqu'un m'a approché, il m'a dit, mais vous leur posez la question à eux tous. À quand, depuis quand ils ont eu le Saint-Esprit pour pouvoir parler, pour pouvoir prêcher? Si on a du désordre au milieu de nous, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de dispute. Attends. Le Saint-Esprit a écrit la Bible. C'est lui qui a écrit la Bible. Il habite en toi, il habite en moi. Il peut arriver que la révélation ne vienne pas au même instant. Parce qu'on n'a pas les mêmes dons. Mais à la fin, on doit parvenir à la même compréhension. Si on n'arrive pas à la même compréhension, c'est un problème. C'est un problème. Et ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde, dans ce message-là, je le dis, si ce message venait à faire 200 ans sur la terre, on serait pire que les catholiques. Pire que les catholiques. On est dans tous les sens. Mais Dieu nous fera grâce, certainement. Mais en faisant grâce, que nous soyons prêts. Nous avons de l'une à notre lampe. Que notre lampe éclaire. Que nous sommes le sel de la terre. Pour montrer aux gens que la corruption ne peut pas nous toucher. Alors, on poursuit donc. Et on ne peut pas être témoin de Jésus sans le Saint-Esprit. On ne peut pas. Et le frère Thierry me disait, mes frères, est-ce qu'il y a une église encore en Côte d'Ivoire? Il dit, je ne comprends pas qu'il y ait une église en Côte d'Ivoire. Il dit, mais regarde bien. Il a tenté de réfléchir et puis acte 15 lui est venu. Il a lu acte 15, il a fini. Il dit, mais quand il y a un problème, il doit avoir des hommes de Dieu qui se réunissent sous la conduite du Saint-Esprit pour prendre décision. Non pas eux, mais le Saint-Esprit prend une décision en accord avec eux pour que ça s'impose à tout le monde. J'ai dit, mon fils, tu as raison. Mais c'est le vrai problème qu'on a. Paul, qui a été mandaté pour les païens, avait un problème avec d'autres. Paul, qui a eu un mandat divin avec de la part de Dieu, avait un problème avec des gens qui étaient venus à la foi, qui voulaient qu'il faut qu'on obéisse aussi à la loi de Moïse. Ils ont organisé une réunion à Jérusalem où il y avait les apôtres, il y avait les anciens, et il y avait les frères. Et là,
Pierre a démontré que, au milieu d'eux, Dieu avait fait un choix déjà. C'est par lui que, au niveau des circoncis, comme au niveau des païens, les premiers croyants sont venus. Et quand il a fini de parler, qui va parler à la fin? C'est Jacques qui s'est levé, qui a conclu. Quand il a fini, il a dit, bon, il faut qu'on écrive une lettre à tous ces frères-là, que nous, les apôtres, les frères et l'Église, en accord avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc ces gens, écoutez bien, hein, donc ces gens-là, ils entendent le Saint-Esprit leur parler. Oui. Qu'est-ce qu'il dit en accord avec le Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit a validé ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit, je pense, non, je pense que c'est comme ça, je comprends ça. Non, non, non. Là, c'est fini là. C'est validé avec le Saint-Esprit. De sorte que ce n'est pas discutable. Non. Aujourd'hui, on n'a pas. Voilà pourquoi on souffre. On souffre. Donc, poursuivons un peu. Bien-aimé, je dis aujourd'hui, je te fais pour qu'on finisse cette partie-là. Il faut que chacun de nous se demande, est-ce que ce qui est écrit dans Jean 17, là, il a expérimenté ça? On lit dans Jean 17. J'ai même écrit, Jean 17, on va dire la partie verset 20. Il y a certains versets que j'ai écrits, je ne pensais pas, et quand je regarde, je pense que je l'ai écrit. Lisons dans Jean 17, verset 20. Je l'ai appelé verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et nous savons que la vérité, c'est la parole. Ce n'est pas pour eux seuls que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Amen. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Bien-aimé, c'est le temps où chacun de nous doit être en Christ. Amen. Il doit être un avec Christ. Nous voulons le savoir. Hein. C'est le temps où chacun doit avoir la certitude qu'il est en Christ. Qu'il vit en Christ. Parce que ceux qui sont en Christ ne meurent pas. Il faut être en Christ. C'est le temps. Cherchons à manger, c'est bon. Travaillons, c'est bon. Allons à l'école, c'est bon. Cultivons des champs, c'est bon. Mais tout ça, nous allons laisser ça ici-bas. Rien ne va nous accompagner. Permettez-moi de vous répéter ça en longueur de journée. Permettez-moi de vous le répéter en longueur de journée. Chercher l'argent, c'est bon. Mais connaître Christ est mille fois meilleur. Amen. Parce qu'il ne vous abandonnera jamais. Quand vous allez passer dans l'ombre de la vallée de la mort, il sera avec vous. Amen. L'argent ne vous accompagnera pas. La maison ne vous accompagnera pas. Vos amis ne vous accompagneront pas. Vos amis ne vous accompagneront pas. Vos parents ne vous accompagneront pas. Vos époux et époux ne vous accompagneront pas. Quand l'heure sera venue de passer par l'ombre de la vallée de la mort, il sera le seul à être là, à vos côtés. Amen. Et souvenons-nous de ce que Daniel Carey a vécu, ce grand homme, ce grand évangéliste, qui ici-bas pensait déjà que tout était préparé pour lui, pour le ciel. Et dans une vision, dans un songe, mais quand il est arrivé là-bas, quand il a dit qu'il est arrivé, il dit, mais comment tu t'appelles? Là, il dit, mais comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Daniel Carey. Il dit, bon, laisse-moi regarder dans mon livre. Il fout, il dit, mais
Ce nom n'existe pas dans mon livre. Il dit, mais comment ce nom n'existe pas dans le livre? Moi, dans les carrés sur la terre, là, j'ai gagné beaucoup d'hommes, beaucoup d'âmes au Seigneur. Comment se fait dire mon nom? Il dit, mais dans mon livre ici, tu n'es pas inscrit. C'est ça. Donc, je ne peux rien faire pour toi. Maintenant, tout ce qui est possible pour toi, c'est que tu en appelles au trône blanc. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'en appeler au trône blanc? Je ne peux qu'aller au trône blanc. Mais là, au trône blanc, ce n'est pas quelqu'un qui te dit ce que tu as vécu. Au fur et à mesure que tu t'en vas, ta vie se décide devant toi. T'avances, ta vie se décide, ça devient clair, 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 clair. Une pureté impossible. Et l'antenne va nous dire, tu as toujours raconté ce qui est vrai. Il n'y a jamais eu quelque chose que tu as ajouté dans ce que tu as raconté. Il dit, il m'est arrivé en racontant des histoires là, de mettre quelque chose dedans. Est-ce que tu n'as jamais rien pris à quelqu'un? Tu t'es jamais fâché contre quelqu'un? Tu n'as jamais parlé mal de quelqu'un? Toutes les questions qui ont été posées là, il n'y a pas une seule question à laquelle il a pu dire ça là, je suis blanc et neige devant. Pour nous dire, frère, que sans Christ, nous sommes tous coupables. Sans Christ, nous sommes tous coupables. Souvenez-vous d'Ésaïe. Souvenez-vous du prophète Ésaïe. Souvenez-vous du prophète Ésaïe. Frère, souvenez-vous du prophète Ésaïe. Si le Seigneur a dit, frère Branham, tu es un hypocrite, va confesser d'abord ce que tu as fait avant de venir prier pour le malade. Nous ne sommes pas plus grands. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Ceux-là même qu'il a établi depuis le sein de leur mère, à qui il a envoyé son ange. Bien-aimé, faisons très attention. C'est le temps que nous marchons avec Christ et Christ seul. Le chemin est solitaire. Hein? Ne vous attendez pas trop beaucoup de choses. C'est un chemin ensanglanté. Cet évangile-là ruisselle du sang des saints. Cet évangile ruisselle du sang des saints. Beaucoup sont morts pour cet évangile. Étienne est mort, Jacques est mort, Pierre est mort, Paul est mort. Beaucoup de jeunes gens sont morts. Dans le matin du catacombe, ils sont tous morts. Les lions les ont mangés, les tigres. On a exposé des croyants à se battre contre les gladiateurs. Il y en a qui ont jeté leur épée. Et d'ici, s'ils me mettaient comme un animal, je me battrais. Mais contre un homme, je ne tue pas un homme. Et ces hommes sont venus les tuer, poignarder et mourir. On a brûlé vif des gens. Cet évangile de la Russie du Saint-Saint. Ce n'est pas le lieu de jouer avec sa frère. Comment ces hommes ont pu tenir s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu? Ils ne pouvaient pas tenir si l'Esprit de Dieu n'était pas d'expert là. Alors on continue un peu. Donc Jean, je vais lire au verset 26, on va lire, on va continuer. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Oh, c'est beau, hein? Amen. Alors, je me souviens de ce témoignage-là, où cet homme, quand il est parti au ciel, là, on lui a dit, mais écoute, tu as combattu, tu as parlé du Seigneur, tu as un témoignage, maintenant tu es arrivé ici, voilà ton habit blanc, voilà ta couronne. Il dit, qu'est-ce que j'ai à foutre avec un habit blanc, avec une couronne? Je veux lui le voir. Lui seul le voir me suffit. La couronne là, c'est quoi? Non, c'est lui. Lui qui est mort pour moi là, qui m'a aimé. Quand j'étais encore esclave, prisonnier, qui est venu me délivrer. Et de l'esclavage des hommes, et de l'esclavage de Satan, c'est lui que je veux voir. Lui seulement me suffit. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est la même chose, c'est le même désir pour nous dans nos cœurs? Je poursuis. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Frère, voilà ce qui manque encore aujourd'hui
aux soi-disant croyants que nous sommes de ce message. L'amour. L'amour, ça n'est allé. Quand je regarde, aujourd'hui, je jette un coup d'œil de par le monde entier. Quand j'entends ce qui se dit, ce qui s'écrit contre les frères, sur les frères, je dis, on se trompe gravement. Parce que s'il y avait un brin d'amour, on n'écrirait même pas contre un frère. On ne parlerait même pas contre un frère. On se mettrait plutôt à genoux jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse de la part de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, on a plus la plume facile. On a aujourd'hui la plume facile, la langue facile que les genoux, que le cœur, pour prier pour un frère, pour prier pour une sœur. Quelqu'un disait, je crois que je vous en avais parlé, mais je vais le répéter. Il y a une sœur qui est partie à l'église la fois dernière, et puis une sœur l'a trouvée. Elle dit, où tu étais le 31? Et j'étais accouré. Toi aussi? Tu t'es accouré? Elle dit, mais quel est le problème? Tu ne sais pas le frère Badi est perdu? Et qu'il a opposé à frère Franck? Il a connu même pas un mauvais esprit? Alors l'autre demande, tu as parlé avec lui? Je n'ai pas besoin de parler avec lui. Est-ce que tu pries pour lui? Je n'ai pas besoin de prier pour lui. Il dit, mais toi qui es sauvé, toi tu es sauvé, prie pour ton frère qui est perdu. C'est ça. Si tu l'aimes, tu pries pour lui. Mais tu dis, tu ne peux pas prier pour donc ton désir, c'est qu'il parte vraiment en enfer. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà exactement ce que nous sommes aujourd'hui. On ne peut même pas dire un bien d'un frère. On ne peut pas dire un seul bien d'un frère, ni d'une sœur. Que Dieu ait pitié de chacun de nous. En ces temps-là, où nous parlons de l'enlèvement, et que nous savons, à moins que nous soyons encore ignorants, et que nous sommes censés savoir que là-haut, c'est seul l'amour parfait qui est exigé. Que Dieu nous aide à prier pour nous-mêmes. C'est vrai, je vous dis toujours, n'ayez aucun ressentiment. Amen. Pas moi, je vous dis, n'ayez aucun mauvais ressentiment dans vos cœurs à l'égard de qui que ce soit. Si ça doit arriver, priez jusqu'à ce que votre cœur en soit délivré. Amen. Priez jusqu'à ce que votre cœur en soit délivré. Bien-aimés frères, ne plaisantez pas avec ça. Amen. Vous jouez avec ça, vous resterez ici bas. Vous irez là où il y a des grincements et des pleurs. Vous irez là où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est à ce moment que vous aurez compris que vous n'avez été que religieux, non pas des croyants. Souvenez-vous de Abraham. Quoique Lot, les hommes de Lot faisaient des histoires avec ces hommes, mais quand Lot était en danger, il est parti sauver Lot. Il n'est pas dit c'est bien fait pour lui. Vous savez bien qu'il avait choisi la plaine de soir. Et il a laissé les parties, je peux dire, hargneux des montagnes, les lieux de montagne, à son nom. Lui qui est plus jeune, aurait pu dire à son nom, mais choisis d'abord, c'est toi qui est mon nom. Il faut choisir d'abord et puis, ce que tu me donnes, je prends. Puis c'est à toi que Dieu a parlé. C'est à toi que Dieu a parlé. Et puis tu vas prier avec toi. Il m'est arrivé ici, il m'a dit de choisir. Mais il n'a pas pensé à ça. Il a levé la tête, il a levé ici, il a vu la plaine là. Il dit, mais mes brebis ne souffriront pas. Ils sont vraiment là. Il y a plein d'herbes. Il y a certainement de l'eau également. Là, ça ne va pas. C'est plus facile de creuser des puits. Et puis, il va être abreuvé. Dans la montagne là-bas, là. Pour trouver un endroit pour creuser les puits, là, il faut avoir des instruments spécifiques. Comment les moutons vont gravir les montagnes pour trouver à manger. Il est parti là. Mais il ne sait pas qu'il partait dans un lieu dangereux. Un lieu mortel. Pour lui-même et pour ses enfants.
frères, prions. Prions les uns pour les autres. Amen. Et cela n'est possible que si l'amour est en nous. Et nous savons que dans Romains 5, il est écrit que l'amour n'est déversé dans nos cœurs que par le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai dit ici, je peux encore citer nos passages. Je vais vous donner ça, vous allez lire à la maison. Vous notez Éphésiens chapitre 1, verset 13 au verset 23. Il y a des choses pour qu'on aille un peu plus vite. Puisqu'on a la réunion, l'après-midi à 14 à 15h. Voici l'origine de la faiblesse de l'Église, de la faiblesse des soi-disant croyants. D'abord l'Église, notre faiblesse là. Une origine. Je lis Éphésiens 1, 13 à 23. Dites ça à la maison. Et s'il y a des questions, vous les poserez. On pourra prendre le temps de répondre à ces questions la semaine qui suit. Voici l'origine de notre faiblesse. De la faiblesse de l'Église. Et même des soi-disant croyants. Alors quelqu'un attend. Il dit, mais où allez-vous trouver ça? Il y a une faiblesse. Notre faiblesse, c'est qu'on a peur. La plupart des choses là, on a très peur. On a très peur de marcher avec Dieu. On a très peur du monde. On a très peur d'observer la parole de Dieu. Parce que nous allons perdre certaines choses ici-bas. Parce que certaines choses vont nous échapper. Certaines positions vont nous échapper. Déclarons qu'on est chrétien. Vous savez que ceux qui sont francs-maçons ne vont pas nous avoir avec eux. Ceux qui sont plus élevés ne vont pas nous avoir avec eux. Le groupe de comment on appelle, les Maïkari, ils ne vont pas nous avoir avec eux. Nous allons être complètement isolés. On a peur. Mais je vais vous montrer quelqu'un qui n'a pas eu peur de sa position. C'est Néhémie. Amen. On va le lire ensemble. Je crois que j'ai noté, ça doit être dans Néhémie 6, si je ne me trompe pas, peut-être dans l'autre prédication de l'après-midi. Mais ça me revient, je veux qu'on le lise quand même. Prenons Néhémie. Prenons Néhémie. On va le lire. Mais si on le lit deux fois, ce n'est pas mauvais. Là, c'est un passage assez long. On va le du verset 1 jusqu'au verset 14. Mais regardez bien. Après, on va lire également 1 Samuel aussi. Voilà, Némi dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Lorsque Sambala, Némi chapitre 6, après verset 1, Néhémie 6, verset 1. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyaient dire, viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages, dans la vallée de Nau. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais les messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressaient 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoyait ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Ça, c'est pour effrayer tout le monde. Que tout le monde ait peur. Il y était écrit, « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc
Et constons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala. Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui a le discernement. Il a le discernement de savoir que ce qui vient là, c'est un piège mortel dans lequel il ne faut pas rentrer. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient qu'ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà son secours. Son secours ne vient pas des hommes. Il dit, ô Dieu, fortifie-moi. Donne-moi la force pour tenir ferme devant ces hommes-là. Je me rendis chez Jamaïja, fils de Delaja, fils de Meatabil. Il s'était enfermé et dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Les hommes ont peur de mourir. Ils pensent que tout le monde a peur de mourir. Ils pensent que Néhémie a peur de mourir. Et il ne sait pas que Néhémie a discerné que lui, il est dans un piège. Et que lui, il ne peut pas se laisser prendre dans le piège. Je répondis, un homme comme moi prend la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas par Dieu, c'est pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Et en le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Ce n'est pas des hommes simples, hein. C'est des prophètes. On dit bien des prophétesses et des prophètes. Et c'est eux qu'on a soudoyés. On les a gagnés. Frère, notre faiblesse, c'est qu'on a peur d'aller devant le Seigneur jusqu'à ce que. C'est ça la faiblesse qu'on a. Pourquoi on n'a pas de vertu? Parce qu'on n'est pas prêt à attendre patiemment jusqu'à ce que. Vous voyez, il y a des gens, autant de frères Branham, dont le ministère a changé complètement. Ils ont confessé. Ils ont assis une seule fois à la réunion de frères Branham. Et quand ils ont quitté la réunion, ils sont rentrés chez eux. Ils disent, mais si Dieu peut faire ça avec un homme, c'est que Dieu peut faire ça aussi avec eux. Amen. Si c'est le même Dieu qu'eux, ils servent là. Dieu doit être capable de faire ça avec eux. Ils ont tout abandonné. Ils ont confié leur église à des gens. Ils sont restés chez eux, dans la prière, dans le jeûne, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la même onction. Et puis ils sont partis. Mais ce qui leur a manqué, c'est que l'esprit qui doit rentrer dans leur âme pour reconnaître, ils ne l'ont pas eu. Ils ont fait leur propre affaire. Ils ont eu la puissance pour faire leur propre affaire. Dieu a fait beaucoup de choses. Frère Branham a rendu de bons témoignages d'eux. Vous avez vu, Thélos Branham a rendu un bon témoin de Frère Branham. Il a même parlé au décès de Frère Branham. Ça, c'est dans l'air circulaire. Pour ceux qui lisent l'air circulaire, le témoin de Thélos Branham est dedans. Comme il a reconnu que Dieu était dans un homme. Dieu est dans un homme. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire ici, il a dit, j'ai vu Dieu dans un homme, il n'a jamais dit cet homme, il n'a jamais dit. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a dit, j'ai vu Dieu dans un homme. Mais l'homme, il n'a pas dit. Parce que s'il disait ça, les gens le mettaient dehors. Il fallait que, bon, il garde sa notoriété, il soit bien connu, pour comme ça, on peut l'inviter partout.
Vous voulez qu'on vous invite partout? Moi, je préfère peut-être rester caché dans la bouche quelque part là-bas comme Élie. Élie ne sort que quand Dieu l'envoie. Élisée ne sort que quand Dieu l'envoie. Amen. Mais ils étaient toujours cachés. Et cependant, Dieu est avec eux. Amen. Il y avait beaucoup de prophètes, hein? Mais il y a toujours un prophète de Dieu. Amen. Il peut y avoir beaucoup de serviteurs, mais il y a toujours un serviteur de Dieu. Amen. La semaine dernière, c'est toi qui m'as envoyé ton mot là, non? Où Frère Franck parlait de, du chef de l'épouse. Tu disais, c'est Frère Branham, c'est pas Frère Branham. C'est Frère Franck qui a vu la vision que quand l'épouse de l'Est entrait dans la salle, il y avait un qui était leur chef. Et un frère a dit, mais si à l'Est, en Europe de l'Est, il y a eu un chef, c'est dans les autres continents aussi, il doit y avoir des chefs. Il doit y avoir quelqu'un pour les conduire. Alors quand on parle de ça, il y en a qui pensent que c'est parce que quelqu'un veut être quelqu'un. Si Dieu a fait de quelqu'un quelqu'un, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est ça qui est malheureux par moment. Si Dieu a fait de quelqu'un là, vous voulez ou vous ne le voulez pas, il n'a pas décidé d'être ce qu'il doit être. Est-ce que Frère Franck a décidé d'être celui qui doit distribuer la nourriture? Non. Non. Dieu lui a dit, tu vas distribuer la nourriture. Il a été voir Frère Branham. Il ne comprenait pas, Frère Branham lui a expliqué. Il dit, la nourriture là, ce sont les prédications, ce sont les bandes magnétiques. Attendre de recevoir la dernière avant de commencer. Il a attendu car... Quand Frère Branham est décédé, alors la voix lui a dit, mais ton heure est venue. Amen. C'est tout. Quand on veut qu'on ne veille pas, il a fait ce qu'il a fait. En tant qu'humain, s'il fait autre chose, c'est un humain. C'est tout. Mais quel est l'homme de Dieu qui n'a pas fait d'erreur? Moïse en a fait. Oui. Moïse a commis des erreurs. David en a fait. Alors, qui d'autre qui ne va pas pouvoir faire? Non. Seul Dieu ne se trompe pas. Amen. Tout un serviteur de Dieu peut se tromper. Mais on va en faire des histoires autour de ça. Non. Donc, bien-aimés frères, notre problème à nous, c'est que nous avons peur. Et là-bas, c'est qu'on n'a pas la foi. Celui qui a peur là, c'est qu'il n'a pas la foi. Je vous ai dit, l'obstacle de la foi, c'est la peur. C'est la crainte. Quand tu as peur là, tu ne peux pas aller au-delà. Parce que la foi croit. Quels que soient les obstacles, la foi croit. Amen. Et va de l'avant. Amen. Et obtient des résultats. Amen. Alors, regardez Josué. On ne va pas le lire, mais vous savez bien. Là, Josué sur le chemin du devoir. Combattant les Amalekites. C'est pas vrai? Mais la nuit devait arriver, le soleil devait se coucher. Il a parlé, c'est ma voilà. C'est ce jour-là que Dieu écoute un homme parler directement. Oui. Il n'a pas prié. Non. Il n'a pas dit, Seigneur, aide-moi. Il a dit, soleil, tu t'arrêtes là où tu es là. Lune, tu ne bouges pas. Et l'histoire reconnaît que pour la première fois, il y a eu un jour de 24 heures de plus. L'histoire reconnaît ça. Mais pourquoi? Parce qu'un homme, ce jour du devoir, a parlé à Dieu. Il a parlé à la nature lui a obéi. On va aller un peu plus vite encore. On va regarder une chose. Frère, la Bible dit, on va le lire dans Apocalypse chapitre 3 tout de suite. Hein. On a peu de puissance ou on n'a pas de puissance. Allons dans Apocalypse chapitre 8, après 3, chapitre 3 plutôt. Je dis toutes ces choses pour nous amener à prendre garde à nous-mêmes. Si je ne me trompe pas, c'est après j'ai pris 3 verset 8, bien sûr. Ah non, c'est après j'ai mis 2 actuellement. 3 verset 8. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance. Que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais tu as peu de puissance. Mais la porte est ouverte. Personne ne peut la fermer. Mais aie de la puissance. Amen. Frère, aie de la puissance.
C'est le Saint-Esprit est venu pour nous donner la puissance. Ayez la puissance. J'ai dit la fois dernière, dit frère, quand on nous pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru là? Ça doit être oui. Amen. On ne doit pas pouvoir hésiter. Ça ne doit pas être le cas, frère, aujourd'hui, là, où on est aujourd'hui. En ce jour, je vous parle là. Si vous posez la question, quand vous posez la question de la rue, avez-vous reçu? Vous devez être capable de dire oui. Et lui donne la date. Je vous ai donné comment connaître si on a reçu le Saint-Esprit, non? Oui. Je vous ai répondu, non? Est-ce que je n'ai pas répondu à la question? Je n'ai pas répondu à la question. Jean-Marie. Ah non, tu es en train de réfléchir. Ah non, ils sont en train de chercher. C'est pour ça qu'ils ont posé la question. Tu cherches. Il faut bien chercher. J'ai pris une matinée tout entière pour répondre à cette question. Ici. J'ai pris une journée tout entière pour répondre à la question. Ici. Pour savoir comment reconnaître qu'on a reçu le Saint-Esprit. J'ai pris une journée tout entière. Et j'ai dit, c'est à votre fruit qu'on reconnaîtra. Amen. Parce que le Saint-Esprit produit des fruits. Amen. Il produit une vie. Amen. Celui qui n'a pas l'Esprit ne peut pas produire cette vie-là. Ce n'est pas possible. Il peut même pas, ce n'est pas imitable. Quand tu as le Saint-Esprit, mais attends, retourne ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as quoi? Tu as qui? Mais tu as Dieu lui-même. Amen. Le Seigneur a dit, le Père et moi nous viendrons et nous ferons notre demeure en toi. Amen. Dieu en toi, mais tu es un demi-dieu, tu es un petit Dieu. Amen. C'est et vrai. La nature ne peut que t'obéir. Alléluia. Amen. C'est vrai. Le monde entier ne peut qu'avoir peur de toi. Les sorciers ne peuvent qu'avoir peur de toi. Quand tu rends quelqu'un, tu tends ta main, il peut même refuser de te saluer. Pourquoi? Parce qu'il sait que ta main là, tu as un homme ouin. Amen. Il ne peut pas mettre sa main dans ta main. Vous savez, un jour, quand Badou avait perdu son père et qu'il devait aller saluer tous les vieux du village, il devait saluer. On lui dit, tu vas saluer tout le monde. Et il a dit, quand il arrive à ton niveau, il dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu. Quand il arrivait chez un là, quand il a atteint la main, le gars a mis sa main comme ça. Devant tout le monde, il a mis sa main comme ça. Pour refuser de le saluer. Et puis il a continué son chemin. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il a des yeux. Que les autres n'ont pas. Il a des yeux que les autres n'ont pas. Frère, c'est le temps où. Nous devons savoir. Mais quand l'apôtre Pierre peut passer dans la rue et que son nom peut guérir les malades, on dirait que ça c'est très loin. C'est pas vrai. Mais prenons ce qui s'est passé à côté de nous à Frère Branham. On m'a dit il a un don particulier. Oui. Ça, c'est facile à dire. Hein. Oh, c'est parce que Dieu leur a donné un don particulier. Mais il y a des gens pour qui il a prié, puis Dieu n'a pas exaucé. Il n'a pas le même don. At it right. Ça soit, tu étais malade. Ils ont prié qu'à fatiguer. Mais ses enfants ont été convertis. Alors que ça soit, tu es du malade. Alors vous avez dit, frère, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire est ceci. Frère, si dans le Saint-Esprit, tu ne feras que la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas toi qui décides. Mais ça doit t'accompagner. Parce qu'il a dit que les signes accompagnent ceux qui auront cru. Amen. Et par votre vie, on saura qui vous êtes. Par votre langage. Par votre manière de faire. Partout, on saura qui vous êtes. Frère, le Dieu que nous servons là, ce n'est pas un homme. Il n'abandonne pas. Regardez Joseph. Joseph a tellement cru que quand la femme a voulu faire de lui son amant qu'elle a fui, c'est un homme mort. Joseph était un homme mort. Mais pourquoi on ne l'a pas tué?
Parce que Dieu est avec lui. Et comme Dieu est avec lui, il a touché le cœur de Potiphar. Tout ce qu'il a fait, c'est de l'envoyer à la prison du roi. Regardez là-bas. Comme ça, il va savoir l'oublier pendant toute sa vie. Il va savoir qu'il va mourir. Le chemin de Dieu, comme je disais à ce jeune homme qui m'a guéri, le chemin de Dieu là, n'est pas un chemin droit. C'est une ligne brisée. Vous ne savez jamais ce que Dieu fait. Dieu ne nous laisse jamais voir ce qu'il fait. Et je lui ai dit, tu sais frère, David là, il a fui de Jérusalem à cause de Saül. Lui il a dit à cause de Saül, j'ai dit oui. Mais même à cause d'Absalom, son propre fils. Oui, son propre fils qui est sorti de ses reins là, l'a fait fuir de Jérusalem. Et Shimei l'a bien insulté. Non frère, il ne faut pas penser que les choses de Dieu sont tellement droites. Donc quand on est là, on voit le bout déjà là. On ne voit pas le bout. Il faut rester tranquille. Il faut prier pour toi-même. Pour que Dieu t'aide. La seule chose, il faut être sûr que tu es en Christ. Que tu es dans ce peuple, ce petit peuple-là. Que tu es mieux d'eux. Et ce que pour lequel on se rassemble ici, je crois que c'est pour cela. Hein? Amen. Amen. C'est pour cela, non? Amen. C'est pas pour autre chose. Hein? Amen. Si quelqu'un pense que c'est pour autre chose, André n'a qu'à partir à la maison. Non, là, là. Frère, quand vous rentrez chez vous, quand vous allez manger là, passez le temps jusqu'à ce que. Passez le temps jusqu'à ce que. C'est le moment où nous devons être sûrs. Quand on nous voit, on n'est plus comme autrefois. Le passé est passé, le présent et le futur là. Peut-être on n'est pas encore arrivé là où on veut, mais on a changé. On a peu de puissance. Tu as peu de puissance. C'est ça notre problème. Ou bien on n'a même pas de puissance. Il y en a même qui n'ont même pas de puissance. Quand tu passes à côté d'eux-mêmes là, il n'y a pas un peu de courant. Il n'y a pas. Quand tu les touches, il n'y a rien. D'après ma fille Victorine, quand sa maman est malade, elle dit, papa, je ne te sens plus. Tu n'as jamais été comme ça. Quand je te sens, tu es faible. C'est comme si tu veux te reposer sur moi. Je dis, mais comment tu t'es dit? Avant que tu me saluais, je savais que j'avais un père qui était un homme. Mais aujourd'hui, quand je te sens, je ne sens rien du tout. Parce que si tu sens la même chose, c'est ma prière va porter. Mais il fallait que ça soit comme ça pour que ma prière ne puisse pas aboutir. Parce que moi j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi si tu permets que je sois présent, les personnes ne doivent pas mourir. Ce qui fait que tous mes parents, ou ma belle famille, les gens qui sont morts là, je n'ai jamais été présent. Sauf le cas de ma femme, où elle était malade. Mon propre fils mourait. Nathanaël, il mourait, je suis parti à la Pisane. On a fait 3 jours. Les gens l'ont libéré, on est arrivé à la maison. Il peut même passer, il dit, papa, on va aller où encore à l'hôpital? Si je dois aller en prison, je dois aller en prison. On m'a dit, j'ai tué mon fils. Mais on ne va pas à l'hôpital. Je resterai là jusqu'à ce que, le Dieu, il est là. Je resterai là jusqu'à ce que. Je suis resté là à côté de lui. Il est en train de mourir. Mais je préfère qu'on dise que c'est moi qui ai tué mon fils. Mais je viens de l'hôpital, je dépends de l'argent. Je viens de l'hôpital et il n'y a rien. Et je dois encore à l'hôpital. Mais le temps de quitter ici par là à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? Tu dors là. Oublie l'hôpital. On est resté là à genoux. Je suis resté là à genoux. Jusqu'au matin, c'est endormi. Et puis le matin, il a appelé son nom. Quand il arrive, il a dit, il est un peu fait, on va lui mettre un petit ballon. On n'a pas acheté un glucose, on a venu lui mettre ça. À 11h, le ballon est fini. On a enlevé le ballon. À midi, on voit Nathalie qui couille, descend, là. Il rentre dans la cuisine. Il prend, il ouvre le frigidaire. Il prend sa bouteille de lait. Il boit. Et puis, allez, il sort, il monte. Celui qui est en train de mourir hier nuit, il est relevé. Qui a fait ça? C'est Dieu? C'est Dieu. C'est personne d'autre que Dieu. C'est lui seul qui peut faire ça. Frères, ne soyons pas des hommes qui n'ont pas de puissance. La vertu de Dieu là, elle doit nous accompagner. Amen.
L'apôtre Pierre dit ajoutez ça. Ayez d'abord la foi et ajoutez la vertu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et allez de l'avant. Vos morts reviennent à la vie. Vos malades vivront. Tout ce dont vous avez besoin, selon sa volonté, vous les obtiendrez. Vous n'aurez pas besoin de courir après. Non. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas de passage. Ce n'est pas une fois ici, une fois là, une fois. Non, non, non. Ça sera permanent. On peut continuer encore un peu. Oui, on va continuer. Mais que faire? Si on a très peu de puissance, que faire pour avoir de la puissance? Mais entrons en Christ. Amen. Les autres sont restés là. Il dit, mais ma parole, j'avais une porte pour vous. Mais rentrez dans la porte là. La porte est ouverte. Qui est la porte? C'est Jésus qui est la porte. Il est la porte de la bergerie. Rentrons dans la porte, frère. Allons, ayons le courage, marchons-nous. Rentrons dans la porte. Et nous verrons ce qu'il veut faire pour nous. Est-ce qu'on peut regarder encore un autre passage que j'ai noté? Hébreux 11, j'avais écrit ça, j'avais noté ça, mais j'avais fait lire ça dimanche passé déjà. Hébreux 11, là. Vous savez qu'on a lu, non? Vous voulez qu'on le relise encore? Vous voulez qu'on le relise? Ça va être verset 32. Oh là là, c'est un mal qui nous ronge. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Vous comprenez, vous connaissez Gédéon, non? Ce jeune homme. Là qui a brisé l'idole. Là, il a brisé l'idole. Mon cher quelqu'un. Son père dit, c'est mon fils. Son père n'a pas eu peur, il dit, c'est mon fils. Mon fils qui a cassé. Parce que ça là, ça ne nous apporte rien. Ça nous apporte seulement le malheur. Et je lui ai dit à l'Éternel, dit, si tu es avec nous, où sont les miracles dont nos parents ont parlé tant? Si Dieu est avec vous, où sont les miracles que les apôtres ont fait? Posez-vous la question. Si Dieu est avec vous là, si vous êtes pour lui, où sont les miracles qu'il a fait avant? Vous pensez que c'est frère Branham seulement? Non, frère. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. C'est la puissance de Dieu qui opère ça. Qui par la foi, non, des baraques de Gédéon, des baraques de Samson. Voilà un homme qui s'est laissé prendre au pied par une femme. Un homme qui prend la mâchoire d'un âne et qui tue tout un peuple de soldats armés. Qui prend lieu le déchire. Même quand on lui a crevé les yeux, il n'avait pas tout perdu. Quand le mal est venu, Dieu s'est vengé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont pris pour venir comme un jouet. Pour jouer avec lui. Pour le faire rire un peu. Mais il ne savait pas si c'était leur malheur. Les deux jeunes hommes là, montre-moi où se trouvent les piliers. Quand il a touché, il a connu, il a vu tous les piliers. Et il a vu ses cheveux ont commencé à pousser, ont bien poussé. Quand la puissance de Dieu est descendue là, ils ont compris qu'il y avait un homme avec qui Dieu travaillait. Il s'est appuyé sur les deux poteaux et qu'elle a poussé ça comme ça. Peut-être il riait, il dit, mais à quel jeu il a tout de jouer là? Il pense qu'il peut faire tomber ces poteaux là. Mais il ne savait pas quelle force était en lui. Ce n'était pas lui, c'était l'Éternel des armées. Amen. Tout le bâtiment s'est écroulé. Personne n'a survécu.
Vous avez crevé ses yeux. C'est vrai. Mais vous n'avez pas enlevé la puissance qui est en lui. Jephthé, David, le tueur de Goliath, Samuel, le grand prophète, et des prophètes comme Jérémie, comme Élie, comme Élisée. Vous savez que les enfants se sont moqués d'Élisée, non? Mon chauve, mon vieux chauve là, il faut monter. Et il est parti pour te laisser, toi il faut monter. On dit il les a maudits, et un ours s'est sorti, il a tué 40. Dès qu'il a maudit là, frère, je vais profiter pour vous dire, si vous êtes des chrétiens, veillez sur votre bouche. Amen. Veillez sur les paroles de votre langue. Veillez. Faites très attention. Voilà un prophète fâché parce que les enfants sont moqués de lui. Quand il les a maudits, un nous est sorti de la brousse pour venir les tuer. Ils sont en ville, non? Ils étaient dans la brousse. Mais nous, c'est sur la brousse pour venir les tuer. Il a tué 40 personnes. Les autres ont dû fuir jusqu'à, je ne sais pas comment. Je me vois en train de, je les vois en train de coudre la poussière, qui se soulèvent derrière. Ceux qui n'ont pas eu la chance sont tous passés à la casserole. Et vous pensez qu'il a eu un remords pour ça? Non, il est parti. Il est parti tranquillement. Élisée n'a pas eu de remords pour ça. Peut-être que vous ne connaissez pas l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est dans quelqu'un là, il ne regarde pas ce qui est charnel. Combien de personnes ne sont-elles pas mortes en se moquant de Frère Branham ou de son ministère? Vous vous souvenez de cette femme-là qui a dit, qui est sortie de la salle, a dit, même ma vache ne boutera même pas une seule herbe de ce lieu-là. Mais le soir, elle criait de toutes ses forces. Appelez cet homme-là. J'ai prié qu'on lui venait qu'il prie pour moi. Appelez-le. Il est arrivé 10 minutes en retard. Quand il arrive, la femme dit, mais elle est déjà morte. Son mari dit, viens dire une prière. Elle dit, mais déjà, c'est déjà trop tard. Elle dit, mais quand tu vois la belle femme là, elle a tellement souffert que tu vois des boutons qui sont sortis sur son visage. Sa beauté n'a pas changé, mais elle est partie en enfer. Pour s'être moquée de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, frère. On ne se moque pas de Dieu. Frère, c'est le temps. Je vous ai dit toujours, est-ce que nous connaissons le Dieu que nous prétendons servir? J'ai dû dire ça, non? Est-ce que nous connaissons le Dieu que nous prétendons servir? Le Dieu que nous prétendons servir, là, ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Il n'a d'égard, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il est souverain. Amen. Il a le droit de vie ou de mort sur n'importe quelle créature. Amen. N'a pas tué tout le monde au temps de Noé. N'a pas fait descendre le temps du feu sur Sodome et Gomorre. Frère, ne jouons pas avec notre Dieu là. Si c'est vraiment notre Dieu, disons que c'est notre Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec David. Quand David a fait le dénombrement, il a dit à David, il n'a qu'à faire le choix. Il y a 3 fléaux. Vous choisissez la peste, 3 jours de peste. Est-ce que c'est combien de personnes vont mourir? Il tombe entre les mains de ses ennemis. Ils vont le taillarder, ils ne vont pas avoir de pitié. Ou bien il tombe entre mes mains. David a regardé les 3 et a dit, il y a un qui est miséricordieux. Amen. J'ai fait tomber dans ses mains. Nathan, je vais tomber entre les mains de l'Éternel. Au moins, s'il me plie devant lui là, il va avoir pitié de moi. Amen. Et puis après, il dit, Seigneur, mais ces brebis là sont en train de mourir. Ce n'est pas eux qui ont péché. C'est moi qui ai péché. Pourquoi ces brebis là vont mourir? C'est moi qui ai péché. Frère, sachez une chose. Un homme de Dieu là, il peut faire une mauvaise chose. Si vous ne faites pas attention, vous allez payer sa cash. C'est ça. Mais lui, Dieu ne le touchera pas. Amen. Dieu a touché Aaron. Aaron.
Pourtant, qui a fait le veau d'or? C'est lui. Il aurait pu refuser de faire le veau d'or. Mais le peuple a payé sa cash. Faites bien attention. Nous, là, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné de comprendre les choses de Dieu. Il nous a donné de comprendre. De ce que nous devons savoir qu'est-ce que Dieu veut. J'ai ma montre. Hein. Dans 20 minutes. Donc, on est presque arrivé à la fin. Dans 20 minutes, je vais arrêter. Fais attention, frère. C'est maintenant qu'il faut avoir la puissance. Si la puissance est en nous, mort, la puissance sera en nous. Même mort, la puissance sera en nous. La tombe ne peut pas. Alors, sans soi, tu peux acter. Mort, où est ton aiguillon? Tombeau, où est ta victoire? Parce que tu es un esclave de m'amener à la maison, d'accord? Mais moi, la puissance qui est à moi là, tu ne peux rien faire. Quand le temps va venir, comme Abraham, comme le groupe d'Abraham là, comme le groupe de Job là, je vais sortir. Ah oui. Ah toi, tu connais Paul. Tu connais pas Paul. Mais le jour, tu vas connaître Paul. Tu vas connaître Pierre. Tu vas connaître Jean. Tu vas connaître tous les saints du Nouveau Testament qui sont morts dans le Seigneur. Et qui sont, ils vont ressusciter. Vous aussi. On a le même corps glorifié. Et puis là, on va être porté sur des nuées. On n'aura pas besoin de fusée, ni d'avion, ni de quoi que ce soit. On va être porté sur des nuées comme ça. On va le rencontrer dans les airs. Et il va nous prendre pour aller à la maison. Comme Rebecca a été portée par Élisée avec l'âne, avec le chameau plutôt. Jusque là, au temps du soir, vers là-bas, voilà, Isaac dans les champs. Pourquoi Isaac est venu dans les champs à cette heure-là? Mais c'était le jour-là du rendez-vous. Et la Bible dit quand il est arrivé, il l'a pris. Il faut aller mettre dans la tente de sa mère Sarah, parce que Sarah est déjà décédée. Et il a aimé, et c'est fini. Frère, nous, notre Seigneur nous aime. Amen. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, nous envoyons cette parole-là pour nous aider, pour nous préparer, pour ne pas que nous soyons des religieux. Nous sommes des chrétiens. Amen. Des chrétiens comme au commencement. Qu'est-ce que je peux dire encore? Vous savez, souvent les gens, dans les mois les plus difficiles, on pense que c'est dans les cris. Vous priez pour quelqu'un, il faut crier. C'est ça, non? Il faut crier pour que... Le diable n'a pas peur de tes cris. Non. Si l'autorité n'est pas derrière toi, il faut crier. C'est le manque de puissance, là, qui fait qu'on crie. On pense que le diable a peur du cri. Il se moque même de toi. Dès que tu arrives, il te voit. Il dit, oh... Je vous ai raconté... La sœur Véronique était là, elle là. Le jour où la jeune fille, la sœur qui chassait le démon en elle là, les amis à nuit chacun, il te prend, il te dépose, il te prend, il te dépose, il te prend, il te dépose. Tu peux chasser qui? Tu peux les chasser? Alors qu'il lui connaît ta vie? Il connaît ta vie, tu peux les chasser? Tu peux pas? Mais quand il arrive devant quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il sait. Il ne peut que se plier. Il ne peut que tomber. Il ne peut rien révéler. Il ne voit rien. Comme Vincent disait, quelqu'un l'a envoyé, il a dit, ton fils là, je vois tout le monde, mais lui là, je ne vois rien de lui. Quand il était encore petit, son papa l'a envoyé chez un marabout. Il avait commencé par fréquenter les amis de Dieu. Il l'envoie là-bas pour aller chez... Cherchez un médicament pour lui qu'il aille passer son examen. Il arrive et dit, mais pourquoi t'envoies ton enfant ici? Pourquoi t'envoies celui-là ici? Je vois pour tout le monde, mais pour là, je ne vois rien. Mais tu ne peux rien voir. Lui, il est caché avec Christ en Dieu. Oui, frère. Soyons chrétiens. N'allez pas à l'église seulement. Ou n'allez pas dans les lieux où on se réunit pour prier, pour chanter, pour danser. C'est vrai quand il y a des cas. On t'a vu là, mais il voit les gens s'il est pour danser. Il dit ça là. Est-ce que c'est affaire de danse? C'est pas affaire de danse, hein? Ça va, tambour là,
Nous n'avons pas de Ghana. On n'est pas tard de commencer au Ghana. Frère, est-ce que vous dansez? Vous dansez pas, hein? Au Ghana. Oh, oh. Ça danse au haut, ça danse. Mais dès qu'on dit on a finalement commencé à prêcher, tu vois, les nattes là sont là. Les gens sont couchés. Dès qu'on finit, qu'on entend un cantique, les nattes disparaissent. Les femmes sont debout. Ne venons pas pour danser. Amen. Les chants là doivent nous parler. Amen. Moi je chante des chants qui me parlent. Amen. Je ne chante pas n'importe quel chant. Je chante des chants qui me parlent. La voix de Dieu, je dis à Yamaï, mais quand je vois tes amis chantent là, dès qu'ils ont tous le même esprit. Hein. Je vais partout quand je regarde les frères chanter. Je regarde leur façon de chanter. Je vois s'il y a un esprit qui les a influencés. C'est ça. Ils font la même chose. C'est vrai. Quand c'est comme ça, je suis découragé. Vous regardez. C'est vrai, quand ils montent à la chaise, je chante toujours moi-même. Pour casser le rythme. Pour chanter. Pour ramener tout le monde dans une onction qui est différente de celle qui a été là. Amen. D'abord. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là et que les cantiques là sont chantés sous l'onction. C'est différent. Hein? Souvent même ce que tu veux prêcher là, tu vas laisser ça de côté. Même un seul mot du chant va devenir l'objet d'application. Parce que c'est quoi? Parce que c'est Dieu qui a inspiré pour que tu trouves dedans. Oh, tu as préparé un message, peut-être tu as préparé un message, puis tu dis, bon, ça, cette fois-ci, on va aller, comme les gens, on va aller casser les papiers un peu. Et puis tu arrives là-bas, là, tu es désassommé toi-même. Ce que tu as préparé, tu oublies tout. Il y a quelque chose qui tourne dans ta tête. Il y a un verset qui tourne dans ta tête. Le verset qui tourne. Quand tu montes, il tourne. Quand tu le lis d'être là, les autres versets s'entremêlent. Ça vient. Au moment où tu te rends compte, c'est beau. C'est fini. Tu ne peux plus parler. Parce que tu as mis fin. Tu as coupé le robinet là. C'est fini. La seule chose que tu peux faire, si tu veux continuer, tu vas parler de toi-même. Alors tu descends tranquillement, tu viens t'asseoir. C'est quelqu'un dedans là a besoin de ça. C'est pour lui. Peut-être c'est pour une seule personne seulement, mais c'est suffisant parce qu'il peut laisser 99 brebis sur la montagne aller chercher une seule brebis qui est perdue. N'est-ce pas? Bon, on va lire un dernier verset. Il y avait encore d'autres. Il y avait deux autres. Mais on va mettre les deux derniers. Il faut arrêter un peu. Frère, je reviens. Ne sont pas des gens qui ont un peu de puissance. Ayons la puissance. Amen. Ne sont pas de ceux qui n'ont pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient du Saint-Esprit, vient de Dieu lui-même. Quand on a Dieu avec nous, et nous l'a démontré lui-même. Il nous l'a démontré. Et les apôtres nous l'ont démontré. Et Frère Branham l'a démontré. Frère Branham a fait ce que l'apôtre Paul a fait. On vient déployer les mouchoirs là. Il prie pour les mouchoirs, il prie sur les mouchoirs. Et puis on prend pour aller. On n'a pas fait ça au milieu de nous. Ça n'a pas produit les mêmes fruits. Frère, soyons fils et filles de Dieu. Amen. Marchons avec l'Esprit de Dieu. Je vous invite à très peu parler, à beaucoup prier, à beaucoup lire. C'est important. Parlez-nous en pas au ciel, hein. Mais priez, méditez, restez dans la présence de Dieu, là, va vous envoyer au ciel. Si quelqu'un vient pour vous provoquer, vous parler, taisez-vous. Dites, frère, n'a qu'à prier. Soit on peut prier, il peut regarder, soit est-ce qu'on peut prier un peu. Fais ça deux ou trois fois, vous allez voir, il ne va plus venir. Fais ça deux ou trois fois, hein. La personne ne va plus venir. Si elle veut, c'est qu'elle est un enfant de Dieu. C'est qu'elle veut vraiment apprendre. Sinon, vous n'êtes pas du nombre de personnes qu'elle peut fréquenter. Donc, on va lire Éphésiens chapitre
2, verset 20, et puis Matthieu 7, on termine là. Ouais, on va respecter le temps que j'ai dit. Lisons Ephésiens chapitre 2, verset 20, vous connaissez bien ça. Je lis à partir du verset 19. Ephésiens 2, je lis à partir du 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, amen, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Si vous êtes de la maison de Dieu, tout l'héritage, amen, tout l'héritage là, vous appartient. Amen. Toutes les promesses qui sont de la parole de Dieu vous appartiennent. C'est pour vous. Amen. Voici votre Dieu viendra. Quand il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Les aveux verront. Les sous entendront. Les morts ressusciteront. Les boiteux marcheront. Les muets parleront. Alléluia. Alors, si notre Dieu est venu, c'est ça doit être ainsi. S'il habite à nous, ça doit encore poursuivre. Parce que dans Isaïe 53, il a dit, il verra une postérité qui prolongera ses jours. Est-ce que nous prolongeons vraiment les jours de Christ? Hein, mes soeurs, vous prolongez les jours de Christ? Hein, mes frères, c'est le temps. C'est le temps de montrer que vous êtes différents. C'est le temps. Ne vous contentez pas de venir vous asseoir. Il fait chaud dedans et si vous êtes là, vous dépensez votre argent, passez votre temps, vous allez venir là et puis après c'est zéro. Franchement, il serait le plus malheureux. Je suis plus malheureux, hein. Ça, j'ai eu de la vérité. C'est comme si j'ai perdu votre temps et tout. Comme vous avez suivi un homme, comme beaucoup aiment le dire, ne suivez pas un homme. Servez l'Éternel. Amen. Marchez avec l'Éternel. Alors, il vous dira ceux qui marchent avec lui. Oh oui, dans Malachie chapitre 3, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient les uns aux autres. Et un livre ouvert devant l'Éternel. Et il a dit, moi-même, je mettrai une séparation entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pas nous qui allons faire, c'est lui qui va le faire. Alors, l'on verra. De l'aide des yeux, les gens verront que ceux-là sont différents. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, si nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, qu'est-ce que les apôtres? Ce qu'ils ont enseigné là, il y a la pratique. Hein? Ça produit des fruits. Ce que Paul, Pierre a enseigné là, beaucoup ont profité de ça. Tous ceux qui ont écouté, qui ont relu, qui sont partis, ils ont expérimenté Jésus-Christ. Et nous aussi, nous devons. Frère, nous devons. Ça ne doit pas être une lettre, mais nous devons. Ça, j'insiste, ça doit être ainsi. Chacun arrivé ici dimanche-là, il doit être une flamme de feu. Amen. Chacun arrivé ici, ça doit être une flamme de feu. Quand on entend de prier, louer Dieu, Dieu doit prouver qu'il est au milieu de nous. Amen. Alors quand on sort ici, on s'en va, on est heureux qu'on sait que Dieu a été au milieu de nous. Amen. On n'est pas particulièrement écouté sa parole, mais lui-même là, il nous a prouvé qu'il était au milieu de nous. Amen. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes en train d'être construits. Amen. On se laisse construire. Amen. Pour devenir une habitation sainte dans laquelle le Seigneur doit habiter. Et chacun de nous doit se précipiter, doit se hâter, même pas précipiter, doit se hâter de devenir une maison, une habitation de Dieu en esprit. Chacun de nous. Maintenant, dans Matthieu 7, pour finir, là c'est un grand reproche pour faire la différence entre plusieurs groupes de personnes. Matthieu 7, 24-27.
a entendu ce qui a été prêché? Aujourd'hui là, qui a entendu? Qui a compris ce qui est prêché? Qui a compris ce qui a été prêché jusqu'à maintenant? On va lire. Vous savez, quand il pose des questions là, c'est que ce qui vient après là doit montrer la preuve qu'on a bien entendu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quand on est bâti sur le roc là, on n'est pas mouvant. On n'est pas flottant. Ici, il n'y a pas un mot que j'ai laissé. Non, on va voir ça le soir, de l'autre côté. On n'est pas mouvant. On n'est pas flottant. On est solide. La pluie est tombée. La pluie, c'est une épreuve. Hein? Les torrents sont venus. C'est des épreuves, non? Les vents ont soufflé. Ils sont jetés contre cette maison. Ah oui. Vous comprenez bien? On reprend? Amen. La pluie est tombée. Quand il y a des grosses pluies, ici, là, où est bien le quartier des, on dit des ministres, le quartier ministre, là. Rue ministre, là. Quand il y a des grosses pluies, toute la rue, là, ça se démonte. Les maisons sont cassées, les voitures sont emportées. C'est pas vrai? Si. Peut-être que vous ne nous avez pas encore vu. Nous, on en a vu en 60, je vous dis en 74. Quand on a construit pour la première fois la Sikoji et la Soyefia de Yopougon. 75. La pluie qui est tombée là. C'est la première fois qu'il va avoir une. Le grand caniveau est rempli. Le pont est cassé. Les gens qui étaient Sikoji près de ce coin là, les gens casser leur plafond pour mettre leurs affaires dedans. Parce qu'il n'y avait pas un autre lieu pour aller. Les voitures sont emportées comme ça. Comme c'est des petits cartons emportés comme ça. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Quand il y a une grosse pluie, il y a des grands torrents également qui accompagnent ça. Vous avez vu les hurricanes dans les pays où il y a toujours les tornades, les grandes tornades là. La mer monte jusqu'à 12 mètres de hauteur. Quand ça descend comme ça là, aucune maison ne tient. Les voies ne tiennent pas, même les navires même ne tiennent pas. Ça transporte les navires pour les jeter à la plage. Quand les gens arrivent là, les maisons ont disparu. On ne peut rien trouver. Les vents ont soufflé. Vous voyez, il y a des vents qui soufflent à 200 km/h. Si toi tu es là, toi tu pèses combien de kilos? Nous autres qui ne pèsons même pas 80 kilos, là, c'est le vent nous prend, nous parler. Il va nous transporter jusqu'à Gouville là-bas pour nous déposer toute porte. Une montagne, beau. On va nous donner notre cadavre là-bas. Encore ceux qui pèsent encore 100 kilos, encore peut-être vont résister un peu. Mais ceux qui sont en dessous là, les chambres là, on va résister, mais nous autres là. Hein? Grossi, il y a des avantages et des inconvénients. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée. Amen. Parce qu'elle est fondée sur le roc. Amen. Elle a de solides fondements. Amen. Elle est enracinée. Amen. Elle le croyait qu'elle est enracinée en Christ. Rien ne peut l'ébranler. Amen. Si vous êtes enraciné en Jésus-Christ là, tout ce qui vient là, vous restez tranquille, vous regardez. Vous dites, ça va passer. Ça va passer. On en a vu piquer ça va passer. Parce qu'il est en Christ. Il n'a peur de rien. Quand tu es en Christ, tu n'as peur de rien. C'est celui qui n'est pas en Christ là, qui n'a pas de puissance. Quand tu n'as pas en Christ, tu n'as pas de puissance. C'est, tu as crié. On n'a pas peur du cri. Le cri là n'amène nulle part. Il faut parler simplement. Ouais. Tu parles. Et comme c'est Dieu qui parle par ta bouche, tu parles. Regardez, on en parlera le soir. On en parlera le soir.
Là, c'est David qui a crié contre Goliath. Il n'a pas crié. Non, pas du tout. Goliath voit un enfant. Il dit, mais vous manquez de moi? C'est un enfant comme ça, là, vous venez m'envoyer. Mais vous allez voyager le donner à manger aux oiseaux du ciel. Il dit, tu vis avec moi, avec toute ton armée. Moi, je vis avec toi, avec l'Éternel des armées. Je vais te tuer, je vais couper ta tête. C'est tout. Tu vas me donner à manger aux oiseaux, mais toi, je vais couper ta tête. Il n'a pas coupé la tête. Il a coupé la tête, la porté ça comme un truc. Il n'a pas laissé la tête après quelqu'un vient nous couper pour dire c'est lui qui a tué. Il a coupé la tête, il a attrapé ça comme ça. Et puis il a pris l'épée. Vous venez monter à Saül, voilà. Celui dont vous avez peur depuis des semaines, là. Tiens. Et on a pris l'épée, là, pour aller garder où? Est-ce que c'est David qui a gardé l'épée? Non, hein. On a gardé ça dans le temple. Et quand David avait besoin d'une épée, c'est là-bas que le sacrificateur lui a donné l'épée, là. Parce que c'est un triomphe. Mais, quiconque entend ces paroles que je dis, pas moi, que Jésus dit, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé. C'est un homme qui n'a pas de sens, qui ne sait pas réfléchir, qui ne sait pas faire le discernement, qui n'a pas le discernement, qui ne sait pas faire la part des choses. Il est insensé. Qui a bâti sa maison sur le sable? C'est un paresseux. Le sable, quand l'eau arrive, le sable passe comme ça. Nous, on a été à Bassam. Moi, j'ai failli même mourir dans la mer à Vridi. Quand la vague est venue comme ça, ça m'a soulevé, ça m'a jeté. J'ai dit, bon, mais je vais, cette fois-ci-là, je ne vais pas pouvoir nager tant que c'est là, je suis fatigué. J'ai mis ma main comme ça dans le sol. La vague, l'eau qui arrive là, ça enlève ça. Tu remets ta main, il enlève ça. Tu sautes, tu remets ta main, il enlève. Sans Dieu, vous ne m'avez pas connu. Quand j'ai échappé à ça, je n'ai plus nagé dans la mer jusqu'aujourd'hui. Tu mets ta main, l'eau qui arrive, la puissante d'eau qui arrive, arrache tout le sable de tes mains, sous tes pieds. Et puis, tu es sur l'eau. Donc, tu fais un effort, tu sautes, tu arrives là, tu te plantes, tu penses que tu vas aller. L'eau, la vague qui arrive là, jusqu'à un moment donné, l'eau est passée. Tu as sauté, tu as planté, tu regardes. La vague est en train de venir, tu as te levé, tu as couru, tu es parti. C'est comme ça que les gens parlent. Parce qu'ils pensent que en se plantant dans le sable, ils vont pouvoir rester. Non, c'est faux. Il arrache tout sur toi. Et il t'emporte. Et là, tu perds le courage. Quand c'est comme ça, tu perds ton équilibre. Tu perds ton sang-froid. Tu ne peux plus te retrouver. La seule chose que tu vas faire, c'est boire une première gorgée. Tu bois une deuxième gorgée et c'est fini. Alors tu étouffes. Quand tu as pris une première gorgée, tu as pris une deuxième gorgée, tu étouffes. Tu montes, tu rentres, tu bois. Tu montes, tu rentres, tu bois. Quand tu es monté une fois, tu rentres, tu as bu, tu ne remontes plus. Tu ne montes plus. Et ça veut dire, je dis, il sera comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les trains sont venus. Les vents ont soufflé. Et sont battus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais celui qui a la puissance de Dieu, cela ne lui arrive pas. Amen. Parce qu'il est fondé sur le roc. Je suis sur le roc enfin. Je suis sur le roc enfin. Mon âme a trouvé le vrai repos. Je suis sur le roc enfin. Mon âme a trouvé le vrai repos. Je suis sur le roc enfin. C'est vrai, non? Oui. On peut encore chanter? Je suis sur le roc. Le roc enfin, mon frère. Je suis sur le roc enfin. Ça veut dire que j'ai cherché, que j'ai trouvé. Mon âme a trouvé le vrai repos. Partout, il n'a pas trouvé le repos. Hein. Je
Je me suis allé à gauche, à droite. J'ai été au milieu, je suis revenu en arrière. Je n'ai pas trouvé le repos. Mais quand je suis allé jusqu'au roc, là, j'ai trouvé le vrai repos. Là, je n'ai plus peur, je ne crains plus rien. Jésus est le roc. Le roc, enfin, c'est vrai. Jésus est le roc, enfin. Mon âme a trouvé le vrai repos. Jésus est le roc, enfin. Mon âme a trouvé le vrai repos. Jésus est le roc, enfin. Bien-aimé Père Céleste, sois remercié et sois loué, parce que nous a donné d'écouter simplement que nous avons besoin d'ajouter la vertu à la foi pour que cela produise l'effet pour lequel tu l'apportes. Maintenant, nous avons chanté que nous avons trouvé le roc. Et notre âme a trouvé le vrai repos. Amen. Que cela soit une réalité. Amen. Non pas simplement un chant, mais une réalité. Afin que quand la tornade viendra, quand la pluie viendra, quand Père Tout-Puissant, les vents se lèveront contre nous, nous soyons tranquilles, inébranlables, parce que nous sommes sur le roc, le rocher des âges. Sois loué, sois remercié, sois exalté, sois honoré. Permets que Seigneur, cette parole trouve une place de choix dans nos cœurs et que nous la mettions en pratique. Parce que nous la menons en pratique, alors nous allons pouvoir ajouter la vertu à la foi. Et nous sommes heureux de voir que nous pouvons passer à la troisième phase. Autrement, Seigneur, ce serait comme un château de carton. Et ça ne produira rien du tout. Ça s'effondrera au moment venu. Mais si nous avons pu avoir la foi et ajouter la vertu, quand l'autre élément de la connaissance viendra, nous sommes vraiment assis. Sois loué, remercié. Sois exalté, béni mes bien-aimés qui sont déplacés. Que leurs efforts ne soient pas vains. Récompense-les pour tous les efforts qu'ils fournissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.